Et les gens, bienvenue sur frappstage.fr ou sur mon blog dissent3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu Subnautica, donc sur PC. C'est un jeu qui m'a été offert par Olivier Bourquin. C'est parti pour un tour. Nous sommes de retour dans cette base après avoir essayé d'aller commencer à en construire une autre en environnement hostile ou pas d'ailleurs. Salut Belstraza, comment vas-tu? Tes livres en haut du pic Tardiden. 3000 mètres? Live? Ou livre? Du coup. Est-ce que c'est un bon lieu pour regarder ce genre de choses? Est-ce que ça passe bien en termes d'ambiance? Est-ce qu'on peut faire, en mettant le live à fond, faire un écho? Tu fais écho! Tout dans le genre. Projecteur, alors on a dit. Un bioréacteur, ça pourrait être pas mal aussi. Kit de câblage et lubrifiant. Titane 3. On a 15 de titane. Kit de câblage. 1. Lubrifiant. Cinq, 10, 15, 17. Je suis à 17 de titane là. Bac à culture, il en faudrait donc on va prendre un pot 17 de titane. Bienvenue à toi, Hey! oui, toi qui viens de t'abonner. Merci beaucoup le ban de Diablo. Bienvenue parmi nous. Bienvenue dans ma bulle. Installe-toi confortablement. On espère que tu te sentiras bien ici. Merci de nous avoir rejoints. Hey, salut Sam! Comment ça va? T'arrives pile pour une nouvelle rediffusion. C'est beau. D'ailleurs, je suis désolé, j'ai pas pris le temps de poster les vidéos aujourd'hui. Faudra que j'uploade celle d'hier aussi en même temps, comme ça au moins sans faire toute une liste d'un seul coup. T'imagines utiliser un lubrifiant? Oui, construire de nouvelles choses. Ne soyons pas déplacés. Toc, toc, toc. Les chargeurs de piles, normalement je pourrais me débrouiller sans pour le moment. Donc le fabricateur, on l'avait mis, c'est bon, je crois. Je crois ou pas? Ou cas où, je vais faire ça. Qu'est-ce qui serait vraiment ultra important du coup? La balise, il faut qu'on fasse une balise. Et je crois que le reste on pourra voir après. Déjà, il va falloir que je retrouve ma base. Et ça va pas être simple. Est-ce que vous y croyez, vous, à ce genre de choses? Est-ce que vous pensez que ça peut se passer correctement? Ce menu Anonymous. Oui, on capte super bien. D'accord. C'est original, ça n'empêche. Fallait prendre une photo et me l'envoyer. Ça aurait été hyper rigolo comme truc. Enfin, rigolo, je sais pas si c'est le bon terme, mais moi, ça m'aurait bien fait rire quand même. J'aurais trouvé ça intéressant. Ensuite. Bon, ça, on s'en fout, ça, on s'en fout, ça, on s'en fout. Kit de câblage, je vais l'en faire un. Je crois pas qu'il me fasse un kit de câblage avancé. Donc, j'ai combien de place dans mon inventaire en tout? De libre. Là, j'ai plein de titane, on va pas caler tout ce titane pour nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. On a 31 places. 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19. On a 21 places, c'est ça que j'ai dit, non? D'abord la balise, d'abord la balise, ici, d'abord la balise. On va manger ça déjà, c'est pas une place en plus. D'abord la balise. Elle où la balise? Là, et il me faut un petit peu de cuivre, c'est ça avec? La balise, c'est le truc le plus important qu'on doit créer maintenant. Qu'est-ce qui me manque là? C'est là-dedans, balise, non? Balise. Balise, check. On a combien de place là-bas? Attendez que je réfléchisse bien à ce que je vais faire. On va essayer d'être merveilleux en termes d'organisation. Et moi, j'y crois très fort au fait que je puisse être merveilleux.
Des cheveux si brillants. Tu les laisses sales. Pardon. Non, en réalité, je les lave pas si souvent que ça. Tous les 3-4 jours à peu près. Donc, voilà. La qualité, elle est top. La qualité de quoi? Du live? Ah, tant mieux, ça te plaît. Que 5 de structure. J'ai que 5 là dans le bâtiment dans lequel on vient de construire, Cerber 2B. Cerber, Cerber. Je sais plus si j'ai envoyé ton courrier pour toi ou pas. Reste calme, l'imprimante. T'as rien demandé. Ah non, il est encore là. Il est encore là, ton courrier. Bientôt. Il y a 27 places en tout. Oui, non, mais faut que je fasse attention à ce que je fais dans le sens où je le fais. Voilà. On va prendre ça. Bah, d'ailleurs, en fait, on va se bouffer à toc de trucs. Parce qu'il y a les places que j'ai en tout. Non, mais ça, je le voulais pas, ça. Bienvenue à toi. Yeah! Toi qui viens. Salut, Cri 82. Où c'est Cri le titou, je sais pas. Bienvenue parmi nous. Il y a une vue là, ça fait confortablement, l'espoir sentira bien ici. Merci de nous avoir rejoints. Tuck, on mange, que j'ai soif et j'ai aucune envie d'utiliser une de mes bouteilles. Voilà, tuck, on en plante à nouveau. Ici, et celui-ci je le garde. Pour le moment on va le garder. On va boire quand même une bouteille, histoire d'être plus tranquille. Tuck. Oh oui, partage-moi. Hey, merci Sarias pour le host. Merci pour ton partage d'écran, comme on dit. Merci pour le cadeau. Quel était le stream? D'accord. Je suis pas sûr qu'on puisse refaire un coffre pour le sous-marin. J'ai jamais essayé, mais c'est pas une mauvaise idée, en fait. Il faut quoi pour faire un coffre de sous-marin, en plus? Non, c'est module général. Il faut 3 titanes et 1 lithium. On va essayer pour voir si ça fonctionne ou pas. Parce qu'après, si je peux charger le sous-marin, on va pas gêner. Hein. Donc, on l'a dit, 1 lithium... Titane. Et on fera des allers-retours avec le truc. Fais voir. On va déjà essayer avec un. Et si ça marche avec un, ce sera la merveille. Dans les profondeurs de l'océan. Il est où mon vaisseau? Là. Pas ce que j'ai mangé un truc apparemment. Bah, il serait où le deuxième stockage? J'ai pas l'impression que ça rajoute des stockages, ou sinon je vois pas où ils sont. Ah si, peut-être là-haut. Ici. Ah, c'est beau. Ah, c'est bon, vas-y, on va en faire un troisième. On va stocker tout ce dont on a besoin. Et c'est là que le vaisseau explose encore. Se fait écraser par une bestiole et je vais être tellement dégoûté. Non, j'ai pas de modo ici. Donc on peut cumuler les coffres, c'est parfait, vas-y, on y va. C'est là que je vais mettre un truc, viens là. Accès amélioration, parfait. Mets-moi ça ici, s'il te plaît. Ah, mais j'arrête pas de voir les os, ça m'agace. Alors, là, on avait déjà une pile. Avec la pile, on va mettre ça. La balise, j'ai peur de la perdre. Le sel, je vais le laisser ici pour l'instant. Donc, la balise. Il nous faut du lubrifiant. Le lubrifiant peut s'obtenir avec ceci là-bas. Limite, je ferais peut-être mieux d'en prendre aussi de ça, de la vigne. Je crois que je vais prendre un petit peu de vigne, des sacs gélatineux aussi. Renforce la coque plutôt. Je crois que je peux pas la renforcer plus. À moins que je mette un deuxième MK. Un deuxième module de renforce pour la coque. Non, peut-être pas. Je sais pas. Là, le but, c'est d'aller rendre la base en bas viable. Donc, j'avais dit qu'il me fallait du lubrifiant. Super, c'est pas ça du tout qu'il fallait que je fasse, merci. Donc toi, je te bouffe, voilà. Donc, lubrifiant, c'est ok. Ensuite, il me faut un kit de câblage.
Vous me demandez plus pourquoi, je ne sais pas. J'ai déjà quasiment plus de titane, c'est terrible. Donc kit de câblage, c'est ok. Donc ça, c'est bon, j'ai un kit de câblage, j'ai le briefant. L'aérogel, déjà, on le fait comment? Sac gélatineux rubis. Normalement, j'ai ce qu'il faut. Voilà. Toc. Aérogel. Je sais plus pourquoi je le voulais, mais je le voulais, donc je le prends. Magnétite. 1, 2. Échantillon coral plat, 2. 1, 2, 3. Or, il m'en fallait 2. Ça, c'est du cuivre. 1, 2, 3. Cuivre 2, on avait dit, mais j'ai déjà du cuivre en bas. 1, 2, 3. Allez hop, on va prendre ça comme ça. Et après, c'est que du titane. Mais du titane, j'en aurais jamais assez. Ou alors, il faudrait déjà en chercher. Ma puce là, oui. Titane là-haut. Ouais, c'était d'en ramasser. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Toc. Là, j'ai des barres de bouffe. Ça pourrait être utile, des barres de bouffe d'ailleurs. Avec de la vie. Et un autre machin, tablette violette. Au pire, je reviendrai ici plus tard. Donc la balise, je l'avais déjà. Je suis encore en train de manger mes cheveux, c'est terrible. Ah bah oui. Sinon, c'est une nuit sans folie. C'est pas comme ça qu'on dit. Je vais être tellement dégoûté si ça explose ce truc. Plus de place. Ça, pour l'instant, je sais pas trop à quoi ça peut servir, tout ça. Tiens, je l'ai pas scanné cette plante. Vigne sanguine. Voilà. Qu'est-ce qui t'arrive, le ban de Diablo? Qui marche pas. Ah, tu dis que c'est le truc qui t'est apparu en haut, au-dessus. Donc ça, voilà. Donc j'ai quand même déjà fait pas mal... Ah, mais je suis le dé... C'est pour ça que j'étais revenu aussi mode. Pour pouvoir placer ceci. Parce qu'il me faudra de quoi construire des trucs. Ensuite, on va récupérer lui, là. Ah, mais je peux pas l'atteindre comme ça. Lui aussi, il faudra que je l'améliore, parce que sinon, il va rester coincé. On va essayer d'aller chercher le titane. Ah bah oui, effectivement, ça marche pas très bien comme ça. Pas par contre. Ouais, donc le maximum qu'on puisse atteindre avec le 6 mode, c'est 900. Je veux pas aller descendre plus bas. Donc tout ça pour ça? Un pauvre morceau coincé ici. Mais cette tristesse... Moi je pensais qu'il allait me présenter un grand bloc de titane en fait. Genre là tu peux fourrer comme un malade et du titane. Mais non, du tout. C'est un véhicule de néophyte, eh. Ah non, mais c'est du titane qui est à l'intérieur de la base, on va pas aller le chercher. Ok, c'est de la mouise, on laisse tomber, il nous faut trouver du titane ailleurs.
qu'apparemment il sait pas ce que ça veut dire, trouvez-moi le titane, donc... Moi je pensais qu'il allait montrer un gros bloc, un truc... En me disant, hé, là, tu peux taper dedans. En fait, non, que chi. Je sais même pas si ça existe, les blocs de titane comme ça. Je tenais par où? Je sais plus quel côté c'était l'ancienne base. L'ancienne base, où te caches-tu? Tu es là. Ah bah si, c'est bien par là. Ben on peut lancer un truc sur les... Mais je pensais en fait qu'il allait me trouver des blocs de titane. Mais là apparemment il n'y en a pas. Sinon faut trouver le calcaire. J'ai pas ramassé, il me servait ce truc normalement. En fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de dons là qui se soient arrivés. On va essayer de trouver où est-ce qu'ils sont. Les gars, où êtes-vous? Je suis en train de ressortir la zone. Ils sont passés où les poiscailles? J'ai l'impression qu'il n'y a personne. Eh ouais les gars. Ah là. J'en ai vu passer un juste ici. Ça se déplace autant. Ah mais ils vont traîner toutes mes affaires là. Attendez pas vraiment à ça. Ça va pas là, moi ça. Ça bouge trop ce truc. Bon, tant pis, je finirai bien par trouver ce qu'il me faut là-dedans. Là, y'a quoi que ça essaie d'attraper en bas? Ah oui, ça récupère aussi le calcaire. Je fais pas assez attention à mon oxygène. Là où il est placé, les débris volent. Mais il l'échappe quand même, attends. Je sais même plus où je l'ai posé. Ça y est, c'est perdu. C'est perdu. On ne le retrouvera jamais. Au pire, j'ai tombé ce truc, hein, tant pis. J'ai une flemme monumentale de m'occuper de ce machin-là. Basta. On va voir si on y est. J'ai récupéré 3 plaques de titane. Ça va m'en faire 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, normalement, je devrais en avoir assez, là, après, avec ça. Je devrais en avoir assez avec ça. Bonne nuit, Saint-Bert. Faites bourrer, merci beaucoup d'être passé. Prends soin de toi, merci encore. Et à la prochaine, tout simplement. Et à qui j'ai pas dit bonjour? Floxion PS4. De tir pour le cyclope, c'est bien possible, ouais. Que je fais le tir. Attends, on va régler ça tout de suite. La question mérite réponse.
Deux tiers, fini, Cyclope, 0 sur 1. J'ai confiance, ça va le faire. Voilà, alors ensuite... toc, toc... Non, faut d'abord que je fasse ça. Normalement, j'ai toujours ma valise, donc ça devrait être bon. Voilà, ma valise, j'ai tout dans mon inventaire. C'est bon, elle est là. Ok. On va aller mettre le métal qu'on a en trop par ici. Attends, je puisse encore emporter un peu plus sur moi, c'est bon. Ensuite, qu'avons-nous, de quoi avons-nous besoin? Qu'est-ce qui serait urgent à prendre? Parce que je pense que je reviendrai pas souvent ici en fait. Le prendre, il est amélioré déjà pour le forage. On a déjà un truc de forage. Une fois construit, tu vas avoir un œil nouveau sur le jeu. Le Cyclope, oui, apparemment c'est une base mobile, comme ce que je suis en train d'avoir ici. Une pieuvre, où est-ce que t'as vu une pieuvre? Bah oui, mais faudrait aller te coucher l'animus au lieu de rester debout. Quelle idée. Mais quelle idée, monsieur? Pas par là... Là, pour l'instant, on va le laisser comme ça. Hop, ça me remplit une bouteille pile à ce moment-là, c'est parfait. Hop, je te la prends. Ça, c'est ok. Il va me falloir tellement de titane. Et normalement, je devrais en avoir assez pour ce que je veux faire au moins au début. Bon, est-ce qu'on va retenter le voyage là, maintenant? Ça fait 22 minutes que je me prépare. Je pense que j'ai tout, hein. Échantillon coréaplan, on en a pris 3. Magnétite, on en a 2. Aérogène, on en a 1. Kit de clavage, 1. Lubrifiant, 1. Qu'est-ce que je pourrais prendre de plus qui serait important? Œuf de créature, ça pourrait l'être, mais on va pas construire tout de suite ce genre de choses. Tiens, les dents, j'en aurais pas en bas. Donc on va prendre ça. Ça, j'en aurais normalement, au cas où on va en prendre. Ça, je vais en prendre aussi. 4. Œuf de créature, œuf de créature. On y retourne comme ça? Le reste, je pense qu'on reviendra le chercher, non? Ouais, on va aller découper de l'arbre, t'as raison. Allons découper de l'arbre. Ça, ça pousse, ça, ça pousse. C'était pas en train de pousser l'autre, c'est bon. Zut. Plus très solide celui-ci. Hein. Mais sérieux? C'est quoi ces demi-arbres là? Je suis pas d'accord avec ça moi. Je me fais arnaquer. Je l'ai fait dans un endroit où il y avait un arbre lumineux. Parce que mon inventaire est plein, comment ça? Ah, je peux en récupérer plus? Ah oui, effectivement. Effectivement, bah, bravo Iti, t'es nul, comme toujours. Du quartz, ça serait pas mal d'en récupérer, c'est du quartz, quand même. Parce qu'il me semble que c'est une ressource... importante. Voilà. Voilà, je me sens mieux. C'est un trait d'humour. J'ai toujours ma balise. Bon, maintenant il est temps de voir si on peut retrouver notre base. Est-ce que j'ai... Attendez. Est-ce que j'ai rempli ce côté-là? C'est rempli.
Dégage. Pas dégage. Allez, tentons de retrouver la deuxième base. C'est parti. En avant, compagnon! À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester chez moi. Je sais plus ce que c'est l'air. La suite, vous le lira. Truc dans le genre. Faut y aller qu'une seule fois? Comment ça, faut y aller qu'une seule fois? Pas compris ce que tu me disais. Moi, je me couche vers les 13h. Entre midi et 13h en général. C'est-à-dire que midi, j'arrête de travailler. Jusqu'à midi, 13h. Entre midi et 13h, je fais du sport un petit peu. Et après, un petit peu. Hein, j'ai pas dit beaucoup. Et ensuite, je vais me coucher. L'idéal, c'est qu'à 12h45, je sois au lit et que je m'endorme à 13h. Comme ça, le réveil sonne à 20h30. Et à 20h30, je suis censé avoir terminé le cycle de sommeil. Ça fait 7h30 de dodo pile. De dormir de 13h jusqu'à 20h30. Donc c'est une bonne chose. Les souvenirs. Ça rappelle effectivement l'époque de Nalbuck. Souvenirs. C'est bien ce que je me disais que j'allais vers un grand mur. Je m'en fous, t'auras pas d'animaux, grand mur. Tiens, il y a des trucs ici, là. Alors, tentons de retrouver la base. C'est parti, mon kiki. Descente en profondeur. Veuillez patienter jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Je sais que je le dis souvent, mais... Voilà. J'ai scanné ça, de quoi? Les trucs avec l'eau qui sort là? L'air qui sort? Non. Je sais plus. J'ai un doute. Alors maintenant, il faut que je trouve où est l'entrée de le machin où je me suis installé. Ah, c'est par là, je vois un trou. J'aurais peut-être dû prendre de la vie aussi, avant de descendre, non? Non, on y croit, ça va le faire. T'aimerais bien avoir ma vie, mais tu sais que c'est pas une très bonne chose, hein. À vouloir la vie des autres, c'est pas une très bonne idée. Faut faire la tienne. Ah, on retrouve l'eau verte, c'est bon. Enfin, l'eau verte, la sous-eau verte. On cherche la cascade à droite, on l'a dit ensuite. T'es pas là, tu me vois pas. Ça, c'est une cascade qui monte. Moi, ce que je cherche, c'est une cascade qui descend. J'aime bien être dans le travail. Bah en fait, le truc, c'est qu'avant, ce que je faisais, c'est que je faisais le stream et après le stream, j'allais me coucher. Donc, c'est-à-dire que j'étais couché vers 3, 4, 5 heures du matin et je dormais jusqu'à 14 heures, 15 heures. Le problème, c'est qu'ensuite, quand je me réveillais, vers 13, 14, 15 heures, c'est que j'étais très stressé parce que j'avais comme un compte à rebours dans la tête, tu vois, il te reste tant de temps avant de lancer le live, etc. Et du coup, j'arrivais pas à me concentrer sur le boulot et j'avançais pas. Et je me disais, bon, bah, tu peux pas commencer ça, il te reste 3 heures avant de commencer le live. Ah, je crois que c'est là. Il te reste 3 heures avant de commencer le live, etc., etc. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je me suis organisé de cette manière-ci. C'est-à-dire que là, je me lève, je commence le live. Quand j'arrête le live, j'ai du temps pour manger un petit peu. Et après, c'est du temps, entre guillemets, libre jusqu'à ce que je m'arrête, en fait, jusqu'à ce que j'aille me coucher. Quand j'ai du temps libre, c'est-à-dire que je travaille autant que je veux. Si jamais j'ai besoin de travailler plus, ben, je peux travailler jusqu'à 13 ou 14 heures ou 15 heures s'il le faut. Alors qu'avant, ben, à 21h, j'avais dit, je lance le live à 21h. Donc, du coup, et voilà, on a retrouvé notre arbre. C'est bon, on y est. Alléluia. L'arbre tout joli.
Et je trouve ça bien plus agréable et zen. Je commence donc ma journée avec la tête dans le cul sur du live. Ouh. Aïe. Attends, je remonte. C'est bon, tout va bien. Elle est là. She's here. Just behind us. Non, behind. Below us. Below, pas behind. Behind, c'est à côté, non? C'est bon, tu descends pas, toi. Alors, on va faire un premier aller-retour à l'intérieur. Alors, de quoi vais-je avoir besoin, moi? On va commencer par faire un truc comme ça. Parce que je le veux. Et ça me rassure d'en avoir un. Donc, un bioréacteur. Et il me faut un kit de câblage et du lubrifiant. Donc, le kit de câblage et le lubrifiant, ils sont là-bas. Par contre, je crois que mon inventaire est en plein. On va faire ceci. J'ai le kit de câblage et le lubrifiant. Donc, d'abord, l'énergie. Kit de câblage, lubrifiant. Alors, toc, toc, toc. Et à chaque fois que je vois les choses qui se passent, je me dis, mais attends, même toi, tu m'as dit que tu travaillais de nuit en informatique. Enfin, je travaillais là, en ce moment, dans l'informatique. Et du coup, je t'ai posé la question de savoir si donc tu travaillais de nuit ou pas. Et je crois que j'ai jamais revu une réponse. Parce que je l'ai pas regardé. Alors, ça c'est bon. Normalement, j'ai ce qu'il me faut. Oups, c'est pas le bon bouton. Viens ici. Il me faut ça en 5. 5, c'est bon. Yep, tu travailles de nuit. Courage alors. Quoique c'était sur un stream, je sais que ça doit aller quand même. Un peu. Tadam! On avait prévu le coup, hein. Tadam, tadam! Wouh! On a le jus! Enfin, la danse du jus. Alors, on se fera cuire par une. Non, on va pas faire comme ça, on va pas faire comme ça, on va faire comme ça. Est-ce que j'ai du titane dans mon inventaire? Non, j'ai que du quartz. Donne-moi du titane, s'il te plaît. Maintenant, on va mettre un pot de fleurs. Là. Comme ceci. Dans le pot de fleurs. Est-ce que j'ai assez de place dans l'inventaire? Oui, j'ai assez de place dans l'inventaire. On va aller déposer la graine de je sais pas quoi, là. T'es où, graine? Non. Il devait être là. Dis pas que je l'ai pas prise avec moi. Si, là, là. La graine pourrie, échantillon d'arbre bulbe. Parfait. Non mais je connais très bien, ouais. On est tellement mieux la nuit, les gens sont tellement moins désagréables. C'est zen. J'aime beaucoup, effectivement. On est bien mieux comme ça. Mais je pense quand même qu'il faut du courage. Et si je dis ça, c'est parce qu'il faut pouvoir s'organiser. C'est vu que c'est pas le même rythme, tu peux pas... Tu vois, c'est comme quand les gens ils disent « Ah, c'est trop cool, t'as ton compte, machin... » Oui, mais faut pas oublier qu'être à son compte, ça a quand même des conséquences, notamment sur la motivation au travail, sur le fait de savoir faire la part entre vie privée et travail, etc., etc. Bref, ce genre de choses. Non, pas forcément, Floxion. T'as des tas de gamins qui ont moins de la dizaine, qui font une faute à leurs parents, et qui n'annoncent pas et qui vont sur internet passer 2-3 heures du matin en fait. Donc que ce soit en live ou pour autre chose, je vais là-dedans moi. Ça change pas grand chose en fait. Alors, ensuite, de quoi aurais-je besoin? Je veux une salle de scanner. Pour essayer de retrouver les ressources à proximité. 2 minerais de cuivre, 1 minerai d'or, échantillon de corail plat. Toc, toc.
Donc salle, scanner. Pourquoi il veut pas là? Jérémy de ce côté. Bah. Ah si, ça y est, il voulait bien là, ici. Voilà. On se sent mieux comme ça. Ah oui, tu veux pas me montrer ce que je veux? La balise, on avait dit qu'il fallait poser une balise. Va falloir revenir avec la machine pour creuser. Ah, je les avais pas scannés, eux. Les champions abyssaux. Voilà. Titane, 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 titane. Il y a du titane partout ici, c'est génial. Sauf que j'ai pas la machine pour creuser. Zut. La balise, la balise. Balançons la balise. Il me faut la balise. Balise. Bali, bali, balise. Hop là. Ensuite, on la balance. Il t'observe. Ah ouais, elle est safe, l'eau bleue. Enfin, je crois, hein. Pas d'avoir de soucis à première vue. Ensuite, ensuite, j'ai dit la balise. La balise, la balise, la balise, la balise. Et on va l'appeler Arbre Monde. Crardron. Voilà, Yggdrasil. Yggdrasil, je crois que c'est comme ça. Une majuscule sur le Y, c'était pas mal, ça, non? Voilà, tu t'appelleras désormais Yggdrasil. Ensuite, je voulais... Il me fallait un autre truc. 5. 5. Je veux un. Est-ce que ce serait pas mal de consolider d'un côté et de l'autre là? Genre là, je vais essayer de consolider. Cette planche là. Peut-être que je peux essayer de consolider ici, 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 ici. Parce que là, j'ai pas la... Comment on peut avoir l'information sur la base exactement? À combien on est? Et donc lui, on disait, allez voir en dessous. Voilà, à quoi ça ressemble dessous. Mais j'ai pas l'impression de perdre de la vie ou autre, donc c'est classe. Le lieu est vraiment très classe. J'aime beaucoup. D'ailleurs, ça fait très bizarre ce que tu te dis. Ah, je sors de l'eau. Nous sommes à la surface. En fait, quand tu continues à monter, tu continues à monter. Donc ça fait très bizarre. C'est logique quand tu continues à monter que tu continues à monter. Mais va savoir. Il faut le préciser, parce qu'on pourrait continuer à monter en descendant. Oh, salut, c'est la babine sale. TV, comment vas-tu? Comment on modifie le nom des bots? Ça dépend des bots. Il y a des bots que tu peux pas, dont tu peux pas modifier le nom. Il y a des bots pour lesquels le nom est payant. C'est-à-dire que tu dois payer une version premium du bot pour pouvoir avoir le droit de modifier le nom du bot. Ça dépend.
Ah oui, mais ça marche pas comme ça, Anonymous. Et puis je n'accepte pas n'importe qui non plus. Alors, là, toc, 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 je vais voir à combien on est en termes de base. Toc. Comment ça, il manque du lithium? J'en ai bien pris du lithium. Mais j'en ai du lithium, alors qu'est-ce qui me manque? Mince. C'est ce que j'ai balancé. Ah, c'est peut-être le titane qui me manque. Bah non. Ah, lithium, lithium, j'étais pas dans mon inventaire, attends. Il a le lithium, c'est pour ça, mais oui, mais quelle quiche. Et faut te réveiller, mon petit titi, là, c'est quoi ce travail? Et bah voilà. Paf, on est à 11. Ah ouais, effectivement, c'est pas joyeux, hein. Ok, ensuite, de quoi j'ai vraiment besoin, là, tout de suite? Ça, là. Ça. Or, échantillon plat. Donc, or. D'accord, j'étais censé avoir un échantillon de corail, quelque part, là. Il est encore dans le véhicule? Ah oui, je suis pas pris, il est encore dans le véhicule. Et c'est sur quoi? Wisebot, je crois que t'as deux options seulement, c'est Kicketbot et Wisebot que tu peux quand t'es avec Wisebot. Et je crois qu'il faut payer pour pouvoir modifier le nom. Il me semble. Mais si tu tapes Wisebot sur Google et tu arrives sur Wisebot. Non, bon, du moins j'ai du mal à comprendre ta question, donc il est possible que je réponde complètement à côté de la plaque. Voilà, comme ça on a un fabricateur ici. Ça c'est plutôt cool. Ensuite, radio. Il faut que je fasse un bloc à l'extérieur. Est-ce qu'il me reste du titane là-dedans? Ouais. On va faire pousser des choses à l'extérieur. C'est où? Là. Par contre, je vais peut-être le mettre de l'autre côté de la base, en fait. Voilà, comme ça. Donc, il me trouve du titane un peu partout, ce qui est plutôt cool. Mais ça, ça va pas faire ma vie. Il va falloir que je plante des aliments pour pouvoir les bouffer à cette profondeur, donc il va falloir que je ramène des choses à grignoter. Parce que l'arbre machin, ça va pas suffire. Ah non, mais Botissimo, c'est un autre bot que Wisebot. En fait, Wisebot, c'est que pour Twitch, et Botissimo, c'est un bot qui gère plusieurs plateformes à la fois, donc c'est pour ça que j'ai pris Botissimo. Donc, vigne sanguine, ok. Graines. Alors, l'échantillon de corail plat, je peux pas le planter, donc il faudra vraiment que je fasse des réserves, peut-être. Voilà. On va faire comme ça pour le moment. Ça nous fera déjà quelques réserves de petites choses. Alors ça, je sais pas si ça va servir à grand chose, ce que je le ramasse en fait, et... Ouais, du coup... Ouais, en fait, c'est nul. Si je tape dedans... C'est ça qu'il faut faire. Ok, c'est ça qu'il faut faire. J'ai compris. Dans la lave? On peut aller dans la lave?
Non, je crois pas. J'ai même pas qu'on pouvait aller dans la lave. Inactif déjà? Sérieux? Sérieusement? Ok. Bon, j'ai encore beaucoup de ressources hein, quand même, mais bon, il y a plein de titane, il fait pas le bousiller comme ça. Est-ce que je remonte chercher directement le véhicule? Alors, Yggdrasil, on va changer de couleur aussi, parce que c'est une base. Yggdrasil. Toc, et ça, on va le mettre en jeune, parce qu'on s'en fout. On peut même l'enlever, au pire, le Yamete Kudasai. Enfin, le Yamete Tentacule Senpai, comme dirait l'autre. L'autre, Tartine. Pourquoi je dis l'autre? C'est juste en dessous de la base, à quelques mètres. Ah d'accord, ok. Ah mais le prone, je suis pas sûr qu'il descende à 900 mètres pour l'instant. Donc, peut-être pas que je fasse ça autrement. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'il fallait que je construise absolument? J'aurais dû prendre des notes des objets qu'il me fallait absolument construire, en arrivant ici. L'observatoire, ce sera pour plus tard. Transmetteur de puissance, il y avait ça que je voulais construire aussi. Centrale thermique. Ça fonctionne comment les centrales thermiques? Titane. 1, 2, 3, 4. Il va me manquer le titane, non? Je crois qu'il va me manquer le titane. Non, c'est bon. Voilà. Et je voulais faire quoi? J'ai oublié ce que je voulais faire. Ah si, ça. Truc thermique. Que ça fonctionne. Est-ce que ça va envoyer assez d'énergie à la base, ça? Ou est-ce qu'elle est trop loin? J'ai un doute. Mais c'est normal parce que c'est ma voix, Anonymous. C'est moi qui enregistre tous les trucs, hein, donc c'est logique que ce soit ma voix, que tu aies l'impression d'entendre. Alors à quoi ça ressemble le scanner d'ailleurs? Ah oui, et nous on est là. Donc ça descend ma foi bien plus bas derrière. Ah oui, donc le chemin, alors attends, si on est ici, la salle de scanner est ici, on peut continuer par là, continuer à descendre, et il y a un autre truc en dessous. C'est quand même fichement impressionnant. Je suis pas sûr d'avoir envie de descendre en bas plutôt, pour l'instant. Et je rappelle que plutôt c'est le chien de Mickey. Donc déjà je pourrais peut-être récupérer le titane au-dessus. J'hésite tellement à remonter là. Faut un relais. Tu penses que ça va pas assez loin là? Ouais, je vois que ça va continuer à descendre. Et le relais, on le fait avec quoi? Or, titane. Normalement, l'or, j'en ai ramassé. Là. Ouais, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de bouffe ici. Hein. À part si vous bouffez les champignons, fais voir. Je peux pas. Ça sent pas bon cette histoire. Donc un relais. Alors le relais, attends, je peux le poser où par contre? Comme ça, ça fonctionnerait. Oh, attendez, je me pose parce que j'ai pas envie que le temps avance vu que j'ai déjà pas beaucoup de sous. Il te faut le plot de liaison électrique. Merci Loulou. Non, j'ai pas tout vu, mais pour l'instant, on essaie de s'installer ici. Ça fait quand même aussi un partie du plaisir du jeu de pouvoir construire une base, s'installer quelque part, c'est tout ça. On est déjà à 50 minutes de rediff, ça va trop vite. Si je le mets là, ça ira.
Ou pas? Non, pas lui. Donc j'étais pas ce qu'il faut. Parce que là, c'est transmetteur de puissance. Est-on la portée d'une source d'alimentation? À moins qu'attendez. Que je puisse le mettre directement là-dessus? Non, ça fait rien. Non, non, mais j'ai bien compris, t'inquiète pas. Il doit se lier. Ah! Ok, il va m'en falloir un paquet en fait. J'aurai jamais assez jusqu'à là-bas. Et comment ça va être chaud? Faudrait que j'en place un autre ici, puis un autre là, et ça y arriverait jusqu'à la base? Non, non, je trouve que ça va être compliqué. Il va falloir des ressources, tout ce que je peux trouver. Ça va se faire bouffer en 2 secondes, ça part le générateur, j'imagine. Faut que je remonte à la surface, j'ai plus de bouffe. On balance ça comme ça, on verra bien. Ça ici. Toc toc toc, on bazarde ça comme ça. Je pense que je vais aller chercher le prawn. J'ai vraiment rien à bouffer là? Non. Ça sent mauvais cette histoire. Bon, réflexion intense. On va faire une coupure de rediffusion de toute façon. Quelle est la priorité là tout de suite? Merci. Elzen. C'est... Alors, normalement ça vient pas de chez moi si le live coupe, puisque je suis à 100% de... Enfin, ou du moins à 0% d'image perdue. Donc ça veut dire que ça vient soit de Restream qui a du mal à fonctionner, soit de Twitch ou de chez toi. Et normalement, en termes de processeur, je suis à 20% du processeur, donc je suis large. Transmetteur de puissance, t'auras pas besoin du tout de ce bins. Ouais, mais j'ai pas de transmetteur de puissance. Zut. Zut, zut. Qu'est-ce qui serait prioritaire? Faut qu'on se fasse un bac pour planter les trucs et avoir à bouffer quand on est en dessous. Donc ce qu'il faudrait, c'est qu'en priorité, je retourne à la surface, sur l'île, chercher des machins, là, des melons. Non? C'est vrai, je pense que je peux manger un petit peu mon arbre. T'es où mon arbre? Non, il a 68% de croissance. Donc je peux pas. Faut voir que j'en plante d'autres, en fait. Faut que je coupe. Je pense qu'on va remonter à la surface, chercher des melons, du métal, redescendre. Et on va se faire une nouvelle salle. Donc il faudrait que j'ai un toc de métal. On se fait une nouvelle salle dans laquelle on met des plantations, tout ce qu'il faut pour bouffer. Et comme ça, on pourra aussi alimenter ça. On va vraiment faire une salle verte avec que de la bouffe à l'intérieur. Je trouve ça génial, en fait. Je trouve ça génial. Le truc, c'est que je me dis, il faudra peut-être que je construise une troisième base, ou que je pense à un autre truc encore après. Mais au moins, on a celle-ci qui est en profondeur. Bonsoir, Dor. Comment vas-tu? Je pense que je vais faire ça. Je vais aller chercher du métal, du lithium et du métal. On va essayer de redescendre avec le prawn. Il faudrait aussi que je fasse une amélioration pour le prawn, pour qu'il puisse descendre en profondeur. Un peu plus, au moins qu'on l'améliore une fois. Donc on l'améliore une fois le prawn à la surface, une fois remonté à la surface. On récupère des melons, du acier de titane pour pouvoir construire une nouvelle zone dans la base. Et on devrait être au top en fait. Je pense, hein. Il me faudra aussi du lithium. Mais je pense que maintenant, avec le prawn en bas, on pourrait récupérer un tas de trucs. On voit déjà qu'il y a plein de titane dans tous les coins là. Donc à mon avis, on va être bien.
Voilà, rien qu'en essayant de descendre dans les premières phases du monde, on devrait pouvoir réussir à faire quelque chose avec le titane. Bon, ça va pas pousser assez vite, j'imagine. Ouais, non. Donc on va se dépêcher dans la surface. Est-ce que j'ai vidé mon inventaire? Oui. À moins qu'il y ait des petits poissons ici que je puisse pêcher, mais j'y crois pas trop. Donc, on va essayer de remonter un petit peu. Attends, ma base est là, donc la sortie est par là-bas. Reste calme, toi. Y'a pas les petits poiscailles là qui traînent? Y'a du titane partout. On va revenir avec le prône. J'ai plus de vie, faut que je fasse gaffe à ça aussi. C'est bon. C'est bon, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ça, c'est bon aussi. Je tente des trucs. On va prendre l'eau aussi. Ouais, je sais que je peux transporter le prône avec, mais le cyclope, pour l'instant, j'ai pas les ressources. Oh, c'est une base, ça, ou quoi? Ah non, c'est une carcasse de bestiole géante. Ok, j'adore ça. Avec un grand bras. Désolé, il me fallait. C'était vraiment trop important. Maintenant, faut que je remonte toutes les cascades. Mais si, là, c'est pas humain, ça. Et elle est où, ma base? Elle est en bas? Ouais. C'est pas humain. Faudrait que j'indique la sortie en fait, parce que j'ai l'impression que je vais m'y perdre à chaque fois quand je vais ressortir. Ah, message radio. Vous avez un message radio. Radiophonique. J'ai dit qu'il fallait que je coupe la rediffusion et je l'ai pas fait. Voilà, c'est tout moi. Hop là, à 58 minutes. Donc j'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappstéjeux.fr. Passez une agréable fin de journée, prenez soin de vous et à ciao tout le monde. Du moins, à tout de suite pour la suite du live et l'enregistrement d'une nouvelle rediffusion. C'est donc parti pour un tour. Et de grandes dents. De grandes dents. Ouais, mais c'était joli. Une salle de miam et une salle d'énergie. La salle d'énergie, c'est bon, on en a déjà une. Ensuite, il faudrait que je fasse d'autres trucs pour relier. On va voir ça en arrivant sur place. On a assez de ressources là-haut pour essayer d'en faire un maximum. Allez, à tout de suite.